Avant de commencer la vidéo, je vais juste m'excuser, j'ai incrusté un fond vert, je l'ai mal mis et j'ai mal mis la lumière. Alors, je vais l'arranger pour les prochains épisodes. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en compagnie de Mathieu Ferdeux pour la deuxième épisode sur Intervention. Alors, c'est parti, go! J'espère que vous aimez mon fond vert qui va disparaître dès maintenant. Alors, c'est parti, Intervention. On va jouer la violence conjugale. Blablabla, on va baisser ça un peu. Jouer, et voilà, let's go. On est dans le feu de l'action. Code 610 à tous les patrouilleurs. Il y a une dame qui se plaint au sujet de ses voisins au 167 des Prés, appartement 211. Elle dit qu'elle les entend crier, surtout la femme. D'après elle, le conjoint est en train de la violenter. 1701. Let's go! Wow! C'est parti! Ah, c'est parti! 1701, confirmez-moi votre arrivée. Est-ce qu'on va régler le problème comme les Baus? Allez, c'est parti, collègue! Moi, est-ce que je suis tout seul ou j'ai un copilote avec moi? Est-ce que j'ai un copilote avec moi? Non, j'ai pas de copilote? Oui, j'ai un copilote ou pas? J'ai besoin d'un copilote! Je suis tout seul! Oh bordel! Il y a de l'air stressé. Oh! 701 au CGA, là, je viens d'arriver au 2550 rue des Prés pour le 610. Là, j'entends rien, là, tu m'as l'air tranquille. C'est la patate qui fait boum 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 boum. Elle dit qu'ils se sont calmés puis qu'elle n'entend plus rien. Restez dans les parages quand même. 703 1701, attendez-moi avant l'entrée. Je suis à 50, je serai pas là avant 20 minutes. J'essaie de faire ça vite. Capté 17. 20 minutes. Bordel. Attendre le backup, entrer dans l'immeuble sans le renfort. Ah, on va attendre le backup. On est toujours mieux à deux. On est toujours mieux accompagné que mal accompagné. Oh bordel. Oh. Oh bordel. Genre dans lui-même, en bas les couilles, oh là là. 17 au CGA, j'entre dans l'immeuble. J'entends des menaces de mort, il y a quelqu'un en danger. Oh bordel. Faites attention à vous. Je te nourris, je te donne un coup de main. Bordel. Police. Oh non. Qu'est-ce que oh bordel. Je t'ai pas appelé. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est toi qui les a appelés. Regarde, va-t'en là, c'est beau, on fait juste s'engueuler, c'est correct, ok? Bah oui, avec le... Ben oui, avec le NX5 pis une blessure. Ah, désolé de vous avoir dérangé, ben oui. Désolé de vous avoir dérangé. Au revoir. 17h au CGA pour le 110, c'était rien finalement. Annulé de backup, je vais aller chez lui. Ok, ben désolé, au revoir. Monsieur, je vous arrête. Madame, sortez de l'appartement. On va les séparer, tiens. Pourquoi faire? Faites juste venir avec moi dans le corridor. CGA 1701. Est-ce que tout est sous contrôle? Oui, je suis avec la femme, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Approchez-moi une ambulance, s'il vous plaît. J'en veux pas de ton ambulance, je vais la refuser. En route, je vous approche une ambulance. 10-4, merci. Qui vous a fait ça? C'est lui, cette affaire! Hey, quoi? C'est elle qui m'a attaqué en premier, je me suis juste défendu, elle m'a garoché une bouteille en pleine face. Hey, poche! C'est toi, mon écœurant qui l'a ramené dans mon lit, ce tabarnak! Les Français vont rien comprendre, évidemment. C'est bon, monsieur, tout est sous contrôle. Décolisse! Je t'ai mon tabarnak! Okay. Calmez-vous. Allez vous asseoir. Au respect par les petites narines. Monsieur, je vous arrête. Invitez le couple à discuter. Questionnez la femme. On les sépare. Vous bougez pas. Là, je laisse la porte ouverte, là, puis je veux toujours pouvoir voir vos mains. C'est clair? Je peux juste aller boire un verre d'eau? Non, vous ferez ça plus tard. Il a dit de rester assis! Ok, madame, on se calme. Calmez-vous, madame. On respecte pas les narines. Je comprends, mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir là? Comment ça vous êtes blessés tous les deux? Parce qu'il m'a frappé, puis moi je me suis juste défendu. Menteuse, elle s'est fait ça toute seule! C'est elle qui m'a crissé la putain d'en face, regarde! Check! Oh. Dégainez votre arme, utilisez la femme comme bouclier. On utilise la femme comme bouclier. Hey, ben voyons dans mon style! Tu veux là, le malade? Non,
Aucun policier censé ne prendrait un civil comme bouclier humain. Votre carrière est terminée. Remettez votre arme de service à votre supérieur. Alors, dégainez votre arme. On dégaine son arme. Drop la bouteille! Drop la bouteille! Calme-toi! Mais ça, attends, je vais juste la montrer. Je veux pas t'attaquer. Oh, le balade! Monsieur, asseyez-vous, menottez au sol. Non, monsieur, asseyez-vous au sol. Asseyez-vous. Ok, asseyez-vous, le monsieur. Maudit chien, ça! Madame, on se calme, s'il vous plaît. Oh non! Attends, ah! Aïe! Aïe, Chris! Ah ouais, tu l'as. Calmez-vous. Restez avec la femme accompagnée de le patrouilleur. Je pense qu'on va rester avec la femelle. Je m'excuse. Vous avez le droit de garder le silence, mais à partir de... Là, on va essayer de démêler votre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, regardez-moi, madame. Oh, la femme! Lâche ton couteau! Lâchez votre couteau! Tu l'as entendu? Lâchez votre couteau! Qu'est-ce que je vais faire? Il veut plus de moi, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez lâcher votre couteau! Oh my god! Lâchez votre couteau, madame. C'est ta faute! Pourquoi tu dis de ta faute? Hey, wow, relax, je suis là pour le calme, pour la paix! C'était pas un gars pour vous ou on va vous trouver de l'aide? On va la convaincre! Vous méritez mieux que ça, moi. Hey, t'es qui, toi, pour me dire que c'était pas un gars pour moi? Oh, je recule! Hey! Esquive! Oh, what the fuck? Je pense que j'ai foiré. Lorsqu'un policier se sent s'avère en danger, il doit utiliser la force nécessaire. Dans le cas, vous auriez dû... Ben oui, je suis là pour... Trop de stress! C'était pas un... Peut-être que je vais essayer, on va vous trouver de l'aide. On va vous trouver de l'aide, madame. Lâchez votre couteau. C'est de ma faute ce qui arrive. Non, tu dois pas, relax. Qu'est-ce qui va y arriver, là? Lâchez votre couteau, là. C'est pas la manière de le revoir, ça, madame. On va vous trouver de l'aide, inquiétez-vous pas. Mais là, lâchez votre couteau. Wow. J'ai tout perdu. Mais non. Les enfants. Et là, lui. Madame, calmez-vous et lâchez. J'ai rien à faire ici. Lâchez votre couteau. Arrête. Non, fais pas ça. Non, je te dis, fais-le pas. Bah oui. Respect pardonné. Yeah. Sans violence, ni coup bas. Madame, lâchez votre couteau. Range ton arme, puis je vais lâcher mon couteau. Oh, tellement pas! Non! Non, je ferai pas ça. Je connais pas, puis vous êtes armé. Lâchez votre couteau. Tu veux me tuer? Non, au contraire, c'est votre vie que je veux sauver, là, madame. Lâchez votre couteau. Lâche-le, respect. On va vous trouver de l'aide, ok? Je vais aller à l'hôpital sans, avec vous. Sans violence, surtout sans violence, sans blesser. Sans personne avec un couteau dans le ventre non plus, hein? Je dépose tranquillement, c'est ça. On va aller à l'hôpital, ok? Inquiétez-vous pas, vous serez pas toute seule. Passez les menottes, la laisser. Oh. Moi, je dis qu'elle essaie de se tuer, fait faut quand même lui passer les menottes, on le sait pas, elle est imprévisible. Allez. Les mains dans le dos, s'il vous plaît. Oh là là. Pression sur cette intervention. CGA. Juste m'assurer que l'ambulance est bien arrivée au 2550 rue des Prés. 6-4. L'ambulance est en route. C'est beau, 6-4. On va vous trouver de l'aide, madame. Ok, je vous laisserai pas tout seul.
C'est dommage triste, on dirait qu'elle va se faire tuer. Notre jeu note de 4, malgré quelques embûches, ben, comme se faire poignarder. Hein? La prochaine fois, tentez de faire de meilleurs choix. Allez vous faire foutre, je suis meilleur policier que toi, toi, toi! J'espère que cette intervention vous a plu, malgré quelques petites embûches, hein, comme un couteau dans le ventre. Alors, on se voit pour l'épisode numéro 3. Alors, à la prochaine et au revoir tout le monde. Ciao, ciao!